retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, vous allez me voir travailler. Voilà, pour une fois, de temps en temps, c'est bien que je travaille. aujourd'hui, vous savez que j'ai reçu cette semaine, enfin il y a quelques jours, un plateau, un DIY Diamond Painting, donc un plateau à fabriquer en DP et à monter, il est tout en bois. Ça y est, je l'ai déjà fait, alors ça ne m'a pas pris longtemps. J'ai pris quoi? 2 heures et encore, je suis large, 2 heures avec le montage et tout. Alors, il est magnifique. Bon, bien sûr, vous n'allez pas y mettre une cafetière dessus ou quoi, hein, puisque la plaque de protection, c'est une plaque de plexiglas assez fine quand même. Donc, bien sûr, vous n'allez pas mettre n'importe quoi dessus. Moi, je n'ai rien mis dessus. Je l'ai mis en décoration sur mon étagère bibliothèque. Voilà, elle est debout. Ça fait très bien l'effet. Alors, par contre, si vous l'achetez, prévoyez quand même que vous allez un tout petit peu galérer au montage. Je m'explique. Rien de grave, hein. Ou alors vous demandez à votre mari si vous n'êtes pas bricoleuse, voilà. Les vis qu'ils ont mis avec sont vraiment justes. Mais alors, c'est percé. Vous avez les morceaux, les poignées, les côtés, les petits côtés et les grands côtés. Les petits côtés, c'est percé pour que la vis rentre. Mais les grands côtés, ils n'ont pas fait de pré-trou. Donc, demandez à votre mari ou si vous savez le faire, pensez à faire un petit pré-trou avant avec une autre vis un peu plus longue ou si vous avez une petite vrille. Voilà, pensez à faire un pré-trou parce que sinon vous allez galérer, galérer, galérer. Je ne sais même plus si je vous ai filmé cette partie-là. Enfin, vous verrez bien à la fin de la vidéo, hein, si ça y est ou si ça y est pas. Mais vous devez faire un petit pré-trou sur les grands côtés pour que vous puissiez rentrer votre vis. Voilà. Vous pouvez aussi, moi je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez aussi mettre peut-être un peu de colle, de la colle à bois, de la colle forte, avant de visser. Comme ça, vous êtes sûr que ça ne bougera pas. Voilà. Mais pensez à faire un pré-trou avant de visser, parce que sinon vous n'y arriverez pas. Voilà, mais sinon le plateau est magnifique. J'ai oublié de dire que je l'avais eu à la boutique Outdoor Tide. Voilà, je les remercie encore beaucoup, puisqu'ils m'avaient autorisé à prendre ce plateau, malgré que je dépassais mon budget de partenariat. Et je ne regrette pas, parce qu'il est vraiment magnifique. Il est super. Alors moi j'avais choisi le mandala, mais il y a plusieurs modèles, hein. Je ne saurais plus vous dire lesquels, mais il y a d'autres modèles de plateaux, donc vous avez du choix. Allez, je vous laisse regarder le reste de la vidéo, c'est-à-dire quand je fais le plateau. Voilà, je vous dis, je ne sais plus si j'ai filmé le montage ou pas, et à la fin je vous remets une mini vidéo pour vous présenter le plateau terminé et quelques photos. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez envie de vous l'acheter ou pas? Alors, je crois que j'ai un code promo avec la boutique Outdoor Tide. Donc, si je ne me trompe pas, que j'en ai bien, mais je crois que j'en ai un. Je vous le mets ici à l'écran et je vous le remets également en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à vous en servir pour payer moins cher. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.
Thank you.
Thank you.